Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Shadow of War, l'épisode 2. On va tout de suite continuer là, on s'est arrêté après avoir fait la quête principale, avant de faire la quête principale justement en Mina City. J'ai cligné un peu la zone, j'ai fait tous les soldats qu'il y avait, il y en a que un qui est actuellement caché, je vais vous montrer ça, attendez. Hop, donc il reste que celui-ci qui n'est pas sur la map encore, mais sinon j'ai tout tué pour le moment. Les quêtes qu'il y avait, les quêtes annexes. On va tout de suite faire la quête principale pour continuer notre aventure. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez la forme, parce que oui. Je reconnais cet endroit. J'ai combattu ici il y a longtemps. C'est parti. Maintenant. Les ombres ont dû passer. Découvrez l'ancien entrepôt de Kalimbor et parcourez les souvenirs de sa lutte contre Sauron. Récompense, aptitude, rage et elfique. Où les Galgal? Allons-y du coup. Comment vais-je pouvoir y aller? Descendant? Ah oui, en descendant. Allez, ah ça veut pas, enfin. Ah oui, non j'ai raté. Petit chemin là. S'il existe un endroit du Mordor hors de portée de Sauron, c'est ici. Ces Galgal nous rappellent que le Seigneur des Ténèbres ne peut être partout. Allons-y. Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer le chronomètre, c'est bon. Il y a bien longtemps, mon armée marcha sur le Mordor. Nous enterrâmes nos morts au combat dans ces Galgal. Nos plus grands guerriers reposent en paix ici, protégés par une puissante magie. Nous avons tout mis en œuvre pour que les vertus des elfes nous suivent dans nos périls. Et tu possédais l'unique? Oui. C'est lui qui m'offrit une armée. Ainsi je menais l'attaque face à Sauron. Ok. Moi j'ai le fait gagner le courant en tuant des ennemis. Je courais plein pied sur Kiev, chez Kodorage ou puis très bien. Quand Sauron a révélé sa trahison, j'ai pris les armes. La fureur m'aveuglait, j'étais déterminé à lui faire payer ses armes. Hop, hop. Alors, you
Celui-ci, le nouvel anneau, n'est pas marqué de son ombre. Il est parfait. Les ombres du passé. D'accord. La ruine du Seigneur de Lumière. L'anneau est perdu pour l'instant. On l'a déjà fait. Prochaine quête. D'accord. Bien, on va d'abord ouvrir la porte. Nous pouvons récupérer le palantir. Allons dans la grande salle. Idril s'y trouve. Elle pourra peut-être nous aider. Alors, ok. Donc ça, j'avais déjà fait. Ah ! D'accord. Cette tente était... De manière flotte, nous allons télé-jeter. Notre... Car si sur cette... Ah non. Disons... Kourou, tambour, désespoir, y'a la. Je crois que c'est bien ça, le texte. Dans le pays du Mordor où s'étendent les ombres, nos bannières flottent, nos talons tels des tourbillons. C'est vive, notre mine est sombre. Car qui, sur cette terre hantée de rêves obscurs, ose résister à la flamme du courroux vertueux ? L'équipement légendaire, d'accord, donc c'est du violet, vous voyez pas. Au désespoir et à la mort. Ok. Donc il y a... D'accord, il y en a 54. D'accord. Très bien. On va dérouiller l'aptitude. Donc on a un point, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Très bien, ça c'est bien, ça c'est très bien. Bon, ça c'est bon. Ça j'ai déjà fait, donc on s'en fout. Ça on le fera après. Y'a rien d'autre pour voir. On va donc aller là-bas. On voit ce que ça va donner. Pour nous téléporter. Mais celle-là, elle ne rapporte rien, donc je sais pas ce qu'elle peut donner. Alors, je viens de regarder. Il est pas réapparu, il est... Enfin, le... Je me demande ce qui se passe quand on tue toutes les personnes de... Alors, si c'est possible. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Alpha. Ah bah si, ça donne. Lors de son invasion du comte d'Armor, Kalimbrim pensa avec la meilleure façon de se faire respecter par les Octes était par l'exemple. Brutaliser un capitaine en souvenir de cette. La gloire, Agla. À cette époque, nos victoires étaient nombreuses. Le Mordor était à notre portée. Voilà. Et voilà. J'ai fini par nous croire invincibles, mais oui, c'est bon. D'accord, ceux qui sont faits, on peut aller là pour les refaire. Occultait le véritable danger, le complot de Sauron. À présent, la lumière est mon arme pour brûler les ombres. Oui, pète domination est là. Mordor. Ah, déverrouiller une aptitude, ouais. Alors. Je sais pas. On va dire ça, hein. Allons dans l'arène. Hein. Dans son pouvoir de l'anneau unique, la Wimpo était presque invincible sur le champ de bataille. De 30 ennemis en souvenir de ses exploits. Hop, ok. Reis, nous ne manquions pas d'ambition. J'avais l'anneau unique, pas Sauron. Il n'oserait jamais s'opposer à moi. C'est pourtant ce qu'il fait. Non, je suis loupé. Ah.
Hop. Encore un. Voilà. Ce petit effet de blur est assez chiant. Allez. Heureusement qu'on n'a pas de limite de temps pour les tuer. Ça permet de m'entraîner aussi au con. Et voilà. Était-ce l'ambition ou l'arrogance? Ça c'est quoi? C'est un... C'est frappe de l'ombre qui... frappe de long, frappe de long, frappe de long. Mais si... Non, ne m'avait pas trahi en glissant de mon doigt. Ah oui, c'est loin, frappe de long. J'ai pas le choix. Enfin, je crois que c'était... Ah ouais, c'était château de... Bon, on va retourner là-bas. La grande salle renferme les plus grands trésors de Minas Ithil. Seul le Palantir compte. Ouais, mais on a quand même besoin de stuff hein, pour aller loin. Hein. Surtout dans le jeu où le stuff, tu l'as en payant. Bon, pas tout. Tu peux tout avoir, je crois, en gratuit, mais bon, c'est chaud quand même. Il y aura plein d'heures de farm qui seront en vidéo. Il dit qu'il comprend pas. Ah mais vas-y, t'as Lyon, tu sais nager quand même. Ok. Toujours lui qui est caché. Hein. Nous devrions aller fouiller la grande salle et récupérer le Palantir. C'est ce qu'on va faire, t'inquiète. Allez, go! Pierre de vision. Minas Ithil et ACG trouvent le Palantir avant que la cité ne soit perdue. Avec une petite image de soi. Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, hey, vous! Qui êtes-vous? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Minas Ithil. Mais nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Et nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruks cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruks démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres, mais nous n'abdiquerons pas et nous ne tomberons pas. Pas question. À l'abri!
dois défendre les portes. Tous aux portes, et vite. Aïe. Je ne les laisserai pas prendre cette ville. Alors il faut trouver le Palantir. C'est le seul moyen. Formez une ligne d'escarmouche ici. Ne les laissez pas passer. Hop là. Voilà, c'est bon, ils sont morts. Il y en aura d'autres. Nous devons découvrir à qui nous avons affaire. Par ici. Et vas-y, Idril, je te suis. Nous pourrons voir toute la ville basse une fois que nous serons arrivés là-bas. Arrivés où? Ce n'est plus très loin. Oh merde! La ville ne tiendra plus longtemps! Je m'occupe des bêtes de siège! Baranor et moi, nous restons ici! Talion, nous devons nous emparer d'une des bêtes de siège. Ça devrait être intéressant. Enfin. Ces explosifs devraient nous permettre de dompter la bête. Des explosifs. Attendez, je crois que j'ai loupé quelque chose. Oui. Allez, voir, ça marche très bien. Mais non, je suis là. Quel explosif tu parles ? Et voilà. Voyons ce que je peux en faire. Les voilà. Une autre bête de siège à portée. Il faut la tuer. Quel petit là quand même, non? Pas l'emmener, c'est une arme de poids. Allez, adieu, ma chère. Ne perdons pas de temps. Ça devrait servir. Et puis, je suis en long.
chose. Quelque chose vient de tomber. Si Mina City tombe, alors ils ne tarderont pas à mettre la main sur le Palantir. Je pensais au Gondor. Je sais quoi faire ici. Ah ouais. Alors là, je sais pas. Pourquoi ça lag à chaque fois qu'il y a ça, quoi? Encore des ennemis. Ces hordes n'en finissent pas. Les armées de Sauron sont devenues immenses. Nous ne pourrons pas les vaincre de façon conventionnelle. Il nous faut le Palantir. Il est ici avant que cette bête nous renvoie dans les caves. Ah, du machin. Nous les avons repoussés pour l'instant. Une autre attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être. Et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père et lui parler. Merci, ma chère. Elle vous fera tenir parole, Rodeur. Hop, mission terminée pour l'aptitude, ouais. Tu lui accordes toute ta confiance. Confiance. Laissons-lui du temps. D'ici là, retournons voir. Parti. Venez, il me faut d'autres réponses. Alors, oula, c'est quoi tout ça? D'accord. On va récupérer tout ça. Ici. Donc je le fasse là ou en vidéo, ce sera la même. Souveraine en matière de justice.
sauf dans les affaires les plus importantes. Et j'ai toujours vu les questions légales être réglées à Mina Sithil. Quand j'étais petite, je me souviens que mon père s'occupait principalement de trancher les litiges commerciaux. Puis les orques sont arrivés, et les questions de justice ont laissé place aux questions de survie. Il rend rien. Bon. C'était le côté ici, on va avancer dans le temps. Ici, il y a une mission. On va certainement faire ça pour l'arrivée de la vidéo. Étrange symbole pour la justice. Qu'est-ce que la justice? Sinon un marteau frappant le clou arrogant. Hop. Prenez garde. Il est droit devant. Sale vermine! Les gars sont venus pour une chasse. Et ils ne seront pas déçus. Hop là! Les gens. Okay. Allez. Oui, faut prendre la dague, c'est bon. Là, hop. Yes. Condor a déjà affronté le roi sorcier, qui rêve depuis de se venger de Mina Sithil. Cette pièce représente le vainqueur, et Arnur, dernier roi du Condor. Il y a bien des siècles, et Arnur dirigeait une armée qui mit le roi sorcier en déroute et renvoya les troupes ennemies jusqu'en Angmar. Mais cette victoire perdit de son sens lorsque notre roi devint orgueilleux. Le roi sorcier défia et Arnur en combat singulier, et celui-ci partit vers l'est, pour ne jamais revenir. Il faut une nation entière pour vaincre un mal de cette ampleur. Et non un seul homme. Ok. Go pour la suite. Et Arnur, celui qui affronta le roi sorcier. Deux fois. Il n'a pas accompli sa mission la première fois. Je sais pas pour les capitaines si c'est si y a un nombre illimité de capitaines ou si c'est genre 600, 700, tout comme ça. Je sais pas. Les orques sont obsédés par les anneaux, bien plus que par les pièces ou les autres bijoux de valeur égale. Ils en destituent immédiatement leurs prisonniers, mais nul ne sait vraiment ce qu'il advient de ces anneaux ensuite. Il est rare de voir des orques emportés. Ils font front, je sais pas. D'ailleurs, où est la quête principale? Il n'y a toujours pas de quête principale ou qui c'est? Un bel anneau.
mais il me paraît ordinaire. Il ne mérite pas le même nom que l'anneau que nous avons créé. Oui, mais un anneau est toujours un anneau. Quand tu lances... Un artefact gondorien de City, encore une fois. Une flèche. La flèche rouge est l'un des symboles les plus précieux du Gondor, bien que peu de gens sachent précisément ce qu'il représente. Quand la situation est désespérée, nous pouvons présenter cette flèche aux hommes du Rohan, qui seront tenus par un ancien serment de se porter à notre secours. Nous aurions dû nous en servir au tout début du siège, mais les orques nous ont encerclés si vite, et le Rohan est si loin. Hop. La suite, c'est là. Je me demande si les hommes du Rohan honoreraient cette flèche. Difficile à dire. Les hommes ont la mémoire courte, surtout en temps de crise. C'est cette saleté de parc ! Pillage de matériel. Ces provisions doivent partir pour l'ouest, le Gondor pour être exact. Veillons à ce qu'elles arrivent à bon port. Il n'y a sûrement rien de précieux là-dedans, mais on va leur prendre quand même. Gardez-vous du feu! Je prendrai l'avantage quand j'aurai trouvé des renforts. On a un dicton, Mordor. L'araignée n'est pas condamnée tant qu'elle a encore des pattes. Pareil pour moi. Trompe la main. Allez, t'as refusé. La dernière mission. Attaque de Caragor. Je sais pas. Je sais pas si c'est lui ou les bêtes. Mais tu devrais te boucher le nez. Je sais pas. Les grog. Hop. Je
Il est mort. Écrasé. Sérieusement? Mais non! Mais vas-y quoi! Voilà, je suis mort 100%. Putain! Grog de merde! Nouveau capitaine. Ah là 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 là. Capitaine, du coup, nouvelle mission, du coup, nouvelle zone, etc. Oh. Bah tant pis, hein. On va se la refaire. Pourquoi Sauron craint-il tant le Palantir? Sauron a des armées, il a les Nazgûl, mais c'est sa connaissance des faiblesses de ses ennemis qui fait sa force. Si quelqu'un d'autre avait ce pouvoir, son empire s'est fou. On va chercher l'artefact juste là. À mon avis, il n'y a jamais rien eu ici. Tu seras mon fils. C'est pas grave. C'est pas ce que je veux, putain. Toi, c'est pas toi que je veux. C'est ça, voilà. Selon mon père, une bannière a deux rôles au combat. Diriger et motiver. Au cœur de la bataille, on ne peut pas se perdre tant que l'on garde son drapeau en vue. Les orques ont peut-être décroché nos bannières, mais le drapeau du Gondor reste une source de motivation, même si je ne l'ai plus sous les yeux. Quoi son armure là? Paquet d'ennemis. Le drapeau de notre peuple. Longue vie à lui. Préoccupe-toi plutôt des tours sur lesquelles il flotte. J'entends des bêtes en cage s'agiter. Là-bas, d'accord. C'est bien ma veine, être là avec toi. Cougar. On va te briser les os. Comme moi et tous les autres. C'est la prison de fer du Mordor. Un puits de ténèbres et d'enfer. Notre seule issue est une mort glorieuse. C'est un mode vieille mort.
Il allait pas de flèche. C'est mon jour de chance. J'ai réussi à te mettre la main dessus avant les Nazgûl. Et je suis bien moins exigeant qu'eux. Je veux seulement m'amuser un peu avec ton corps, pas ton âme. Mort. Hop là. Je l'ai eu. Maintenant, on va s'occuper de ça. Hop. Attaque de camp. Qu'il reste de quoi manger à balancer sur le feu. Sinon, je vais devoir bouffer l'un d'entre vous. Ok, rapide et efficace. Allez-y fort. Tu vas saigner. Je vais te faire la peau. Okay. Tous ces humains sont comme la vermine. Il faut toujours qu'ils combattent en groupe. Douche. Et voilà. Il est mort. Il est mort, très bien. Deux a été tué dans son propre camp. Tué. Oh, il y a deux zones en fait. Oh, putain, j'ai pas remarqué ça. J'avais pas vu. C'est chiant. Voilà, donc l'écorcheur est mort. Toi et moi devions nous retrouver maintenant et en ce lieu. Je me suis préparé en vue de cet instant depuis le jour où on me l'a prédit. Non, on te l'a pas dit, d'accord. Maintenant que l'heure a sonné. Je me réjouis d'avance de te voir périr. Tu ne parviendras pas à échapper à ton destin. Hop. Hop là.
Ah non, il fait un tremplement là, c'est pas. Je suis vaincu. Oh, ça te plairait bien. C'est pas vrai. Hop là. T'es quand même mort au camp, gars. Aller chercher le stuff là-bas. Elle paye à cause du Krog. Bon. Il y a combien qui reste? 1, 2. Oui, il reste 2. Non, c'est pas possible. Lui. De la somme, seul. Très bien. Apparemment, c'est bien ça. Allez, allez. Cherchez, Orc! Des âmes! Tuez-les vite! Vous ne nous aurez pas, limace! Hop là! Son style est quand même les faces. Et il semble que j'ai trouvé le roi des rats, hein. Gare. Il est mort. Allez, on se téléporte, ça fait de l'XP, hein, moi je dis pas non. C'est de l'XP gratuit. Donc, je dois combattre cette vermine humaine. Un épique. Je risque plus de m'effondrer d'ennui que de tomber sous leur coup. Qu'est-ce que c'est? Humain! Tu vas morfler! Je t'ai jugé pitoyable! Et voilà. Deux, quatre, cinq. On va laisser les faire.
Ah oui, la cape. Ouais, j'ai des trucs qui comptent pour des coups là. La traque. Hey, l'orc! Des vermines d'humains, ils s'enfuient, on dirait! Allez, viens! On va te faire traverser tout le Mordor! Oh merde. Hop. Il y en a d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 6. Non, t'es verrouillé l'aptitude, ouais. Peut-être pouvoir débloquer la dernière. De soucis à se faire que les condamnés. Encore des troupes pour le siège. Qu'est-ce que c'est? La ville doit être en siège. Nadzu. Nadzu de la main. Aïe. C'est ce que je vais faire, mais tant pis. Ah,
ici. Voilà. Commandant Bauty. Ok, on va pouvoir continuer. Oula, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu vas te calmer, mon vieux. Là-bas. Luga. Y'a pas d'erreur quelque part ? Ah, les corbeaux. Non. Oula, bien. Il y a des lags là, je comprends pas pourquoi des fois ça lag. Pourquoi ça, ça veut rien dire. Hop. Les Nazgûl veulent avoir vivant, c'est vrai. Mais ça ne les dérangera sûrement pas si je garde un petit morceau par-ci par-là pour moi. L'eau. Mais putain, tu peux arrêter, mais vas-y quoi. Ça veut rien dire ça. Il vient à rager rapidement. Sinon les lags ça peut arrêter un petit peu ou non? Hop. Les contes du Gondor regorgent de Drake, les petits cousins des grands dragons qui sommeillent, dit-on, sous terre. Mais ici, au Mordor, j'en ai vu de mes propres yeux, à bonne distance cependant, et ils n'ont rien à voir avec ce qu'en disent les histoires. Ce sont des chasseurs ailés mortels, avides et cruels, qui se complaisent à torturer leur proie avant de la dévorer. Cette écaille, prise sur un cadavre de Drake que nous avons découvert dans la caverne d'un Grog, donne une idée de leur taille et de la puissance nécessaire pour faire voler un tel poids. Une écaille de Drake ou de dragon? Hop. On va finir là, là. Sans doute un Drake. Les dragons entretiennent mieux leurs écailles. Hop là. Il y a un groupe d'esclaves ici. Assez fort pour travailler sous les coups, mais pas assez pour s'y opposer. Go. C'est pas mon problème.
Non. Voilà. Ce cri. On est déjà niveau 12 alors que les mobs ils sont niveau maximum 10. Enfin, les... je veux dire les capitaines. On est clairement loin de loin du jeu. Mais je crois que je vais plus accélérer le temps, j'attendrai que les gens reviennent. Ou alors je ferai des séances XP hors vidéo, tout ça. Sur 11, on prend tous les artefacts et puis on s'arrêtera là pour cette deuxième vidéo. Je me demande si les elfes ont des objets banals comme les nôtres. Même leurs récipients les plus simples sont d'une finesse extraordinaire. Cet artefact faisait partie d'un service de table offert en cadeau il y a des siècles. Les autres pièces se sont brisées en tombant de leur étagère lors de l'un des nombreux séismes du Mordor. Si mes prédécesseurs avaient conservé les fragments, je me serais fait un plaisir de réparer ces objets. L'artisanat elfique mérite de durer. Quel genre de banquet organisent les elfes ? Le style elfique est moins tapageur que celui des orques ou des hommes. Si je le dis, cher Celebrimbor. Nous, Gondoriens, considérons Minas Ithil comme notre foyer, mais nous ne pouvons en revendiquer la construction. Cet honneur revient aux exilés du légendaire royaume de Numenor, au-delà des mers séparatrices. Ces architectes hors pair ont conçu cette cité de marbre afin qu'elle reflète la lumière de la lune et luise d'une chaleur intérieure. Mais la beauté et la lumière de la cité ont suscité la colère du roi sorcier qui cherche depuis longtemps à se venger du Gondor. Ok. Ah. On continue. Les tours bâties par les Numénoréens rivalisent avec celles des elfes. De qui tiennent-ils ce talent, à ton avis ? Ils n'étaient que des élèves assidus. Bolg. Cette scène de frayeur. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de me tuer? Il va falloir bien plus que ça, misérable insecte. Et voilà. Là, il faut courir avant que je fasse défoncer. Dit que tu payes.
Bonne mission. Putain. Il y a combien de capitaines encore? 1, 2, 3, 4. Bon, je sais ce que je vais faire déjà. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Question. Je ne suis pas d'humeur à te regarder foutre la merde. Tu vas mourir. Et vite. Hop là. Entraîne-toi encore. Oh, le qui est mort. Martial. Ouais. Tu meurs. Vous, je m'en fous. Hop là. Ramasser. Dans la grande salle de Mina Sithil, nous ne conservions pas seulement les trésors de notre passé. Notre présent s'y trouvait aussi. Sous la forme d'archives de notre correspondance officielle avec la capitale. Je classais les missives de Minas Tirith une fois que mon père les avait lues. C'était une tâche hebdomadaire au départ, mais à mesure que le danger a grandi alentour, les parchemins comme celui-ci se sont faits plus rares. Je me demande si les orques ont intercepté des promesses de secours, des projets d'aide qui ne sont jamais parvenus jusqu'à nous. Fort possible. Allez hop, celui-ci, prêt. Ça, je le ferai en vidéo. Ça aussi. Les rouages du gouvernement réduits à un parchemin. Mina Sithil n'avait pas besoin de parchemin, mais de renfort. Marco. Il est parti ? C'est une blague ? Ah, il est là-bas. Ça. Regarde-moi bien. Je suis l'ouro qui va te foutre une raclée. J'aurais juste préféré que tes semblables soient là pour admirer ta défaite. Qu'ils puissent te voir mourir et sentir ton désespoir. Je dis ça, mais juste après, t'as un repli, mon mec. C'est marrant. Ouais, bien sûr. Je vais te détruire. Hop, relique là-bas. Sur 11, encore une.
Lorsque Arnur ne revint pas de son affrontement avec le roi sorcier, la nouvelle de sa chute se répandit dans tout le Gondor. Les forces du roi sorcier se regroupaient, s'emparant rapidement des terres faisant jusque-là partie du royaume des Arnur. Certaines régions tombèrent si vite que les lettres envoyées par le premier intendant du Gondor, Mardil, n'arrivèrent jamais à destination. Pendant des générations, nous avons conservé ces lettres non lues, destinées à ne jamais être ouvertes. Nous savons que ces Gondoriens perdus ne les réclameront jamais, mais nous les gardons en leur honneur. Je me demande ce qu'il adviendra des dernières lettres que j'ai envoyées au nom de mon père. Et la dernière, elle est là. Ouais, ce sera... C'est la quête. Et c'est tout. Tu n'as pas envie de lire ces lettres ? Inutile. Je connais le cœur de mon peuple. Je sais ce qui est écrit. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas été aux trousses de combat. Hop, censé avoir été fabriqué par les Hobbits, une espèce de semi-homme vivant dans le nord, au-delà des régions que nous connaissons. L'idée d'adulte m'arrivant à peine à la taille me perturbe quelque peu. Mais, après ce que j'ai pu voir au Mordor, un Hobbit serait une perturbation tout à fait bienvenue. Même si je suppose qu'un Hobbit ne tiendrait pas longtemps au Mordor. Ça c'est sûr, ça dure. Donc on va débloquer le pouvoir. Hop. On va débloquer ça. On va faire cette mission là. Mais d'ailleurs il n'y a rien, il n'y a aucune autre mission. Pas normal. Ah si. D'accord. Je vois. Il y a certaines choses, hein. Minas Tirith. Ok. C'est quoi la main de Minas Tirith ? On peut pas savoir. C'est quelque chose qu'on va devoir récupérer un peu plus tard. Quelle est l'armée de cette zone là? Oh là là là. C'est beaucoup. Est-ce que j'ai dans l'inventaire? Rien. Ok. Ici, il y en a juste deux encore à tuer. On va s'en occuper, donc on va aller là déjà. Hop. Ça fera une vidéo d'une heure et demie, hein, c'est pas bien grave. Il ne me manque que de l'herbe à pipe. Tu ne risques pas d'en trouver dans les environs. Un euro qui a le pouvoir, ça pue la merde. Ah non, c'est d'accord. Chose à voir. Ne vous avisez pas de trancher les bras de vos amis par ennui, bande de globes. On a du pain sur la planche demain. Pensez à vos amis. Vous combattez pour eux. Oh.
Poursuivez-les ! Peu importe le nombre d'humains qui viennent jusqu'ici, on les tuera tous. Hop. Ça doit faire mal. C'est ma mort. Et je crois. Voilà, Naru qui est mort. Naru. Oh, putain, il y a deux quêtes là. Oh là là. Tellement de. Pas grave, on va aller là. Je peux te montrer comment conquérir le Mordor. Tant que ça nous permet de défendre le Gondor. Plus les survivants ont chance d'être crevés. Allons faire la quatrième mission. J'aurais peut-être dû lire le descriptif. Maedad, la vertu de l'invention. De mon vivant, aucun joaillier ni aucun artiste elfe ne pouvait m'égaler. Ce que je pouvais imaginer, je pouvais le créer. Quatorze archers. Ouais. Ça a craqué ou quoi? Possible. Mais c'est impossible. Impossible. Recommencer. What? Comment il faut qu'on fasse? Il y a peut-être un chemin, j'ai peut-être dit de la merde. Maedad, la vertu de l'invention. De mon vivant, aucun joaillier ni aucun artiste elfe ne pouvait m'égaler. Ce que je pouvais imaginer, je pouvais le créer. On s'en fait faire, c'est pas facile. Ha.
c'est chaud. Non, c'est mort, je peux pas. Allez, 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 allez. Maedad, la vertu de l'invention. De mon vivant, aucun joaillier ni aucun artiste elfe ne pouvait m'égaler. Ce que je pouvais imaginer. C'est mort, mais putain, mais c'est impossible hein. C'est impossible. J'ai rien autour. Allez, vas-y, allez, on commence. Y'a un chemin petit ou quoi là, je comprends rien. Maedad, la vertu de l'invention. De mon vivant, aucun joaillier ni aucun artiste elfe ne pouvait m'égaler. Ce que je pouvais imaginer, je pouvais le créer. Quoi, j'ai pas assez... Putain de merde. Bon, je reviens. Me revoici, désolé. Ça m'a fait un peu rager. Donc, on y retourne, je suis actuellement à la dernière personne. Là, ça devrait être bon. Voilà. C'était pas facile, hein. Voilà, mission terminée.
fermé, hop. La création d'anneaux de pouvoir peut sembler imprudent. Là, les 4, c'est bon. On a un nouveau. Domination de capitaine. Domination de capitaine, c'est quoi? C'est pas ça que je veux. Personnage. D'accord. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur tous vous abonner à la chaîne. C'était TheStel, un chat qui va l'acheter. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Cliquez les jeux vidéo.